Elle est-elle l'un des jardins édéniques du paradis, une perle murmurée par la mer qui a jalonné sa destinée. Ayant traversé cette éternelle étendue, tous ceux qui furent fascinés par sa beauté singulière et son opulence s'y étaient établis et bâtirent sur cette aire maisons, citadelles et fortifications, et en firent un lieu de civilisation et un centre de rayonnement d'où émergèrent réussite et développement. Ils étaient là. Ils avaient bâti, créé et excellé, puis s'en étaient partis. Malgré leur départ, les empreintes de leurs efforts et de leur créativité brillent encore de mille feux, façonnant par là même la félicité et le ravissement qui caractérisent chaque coin et recoin de la prestigieuse ville. Elle est ces merveilles qui tapissent ces terres et qui recouvrent son ciel. Ça et là, Déalte raconte longuement des pans entiers de son histoire, de ses triomphes, de son immortalité, de son parc archéologique, du cimetière et de la basilique de la Sainte Salsa, du mausolée royal de Mauritanie, de la place Cherchel et sa fontaine romaine, des vastes thermes, du Hammam turc, de la mosquée Ar-Rahman et de Aïn Qasiba. Quant aux musées, ils abritent dans leurs méandres une kyrielle de merveilles mises au jour aux quatre coins de la vieille ville suite aux opérations de fouilles effectuées dans divers sites archéologiques. Les découvertes conservées dans les différents musées de Tipaza représentent des statues en marbre, des sarcophages, des jarres, des objets mortuaires, des sculptures funéraires et honorifiques, des mosaïques qui se déclinent dans une diversité de formes, de couleurs et de dimensions, des flacons en verre dont certains étaient destinés à la parfumerie et d'autres faisant office d'urnes funéraires, servant à conserver les cendres des morts incinérés, des pièces de monnaie fabriquées dans différents métaux, et enfin des colonnes, des chapiteaux et des bases de colonnes. Toute cette richesse archéologique nous renvoie des images claires d'un temps passé et qui dévoile le mode de vie au quotidien qu'avaient mené des groupes de sociétés anciennes et qui transparaît à travers les différents aspects social, religieux, économique et même spirituel. Cette richesse projette également, comme un petit écran, des scènes et épopées historiques vivantes à la gloire des vaillants et des héros qui avaient foulé le sol de cette région, tels Juba II, Bocchus, Ptolémée et Cléopâtre Sélénée. Aussi prolifique soit ce patrimoine en événements du passé, il demeure cependant mystérieux, avec tous les secrets qu'il se refuse à divulguer. Aussi bien à Tipaza qu'à Iole, Cherchel, partout se manifeste le génie créateur par l'entremise de la créativité. De durs obstacles que durent franchir les anciens pour l'ancrage de leur civilisation et sa pérennisation. Avec le temps qui s'égrène, tous ces monuments et vestiges historiques avaient fusionné avec la ville, créant ainsi une symbiose qui traduit la parfaite cohésion qui s'est installée au sein de la population pour devenir sa mémoire vive et faire partie de sa culture. Le riche et particulier patrimoine archéologique de Tipaza en a fait une ville hors du commun, qui suscite l'intérêt de tout un chacun et insuffle au cœur le désir infini d'explorer ses moindres coins et recoins, jusqu'au plus profond de ses sites. Tipaza, c'est aussi cette rare et vaste étendue archéologique
qui n'a pas encore dévoilé toutes ses richesses.